Hello les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Déjà premièrement c'est Frite, hein, je pense que vous l'avez remarqué. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Yandere Simulator. Quoi? J'ai oublié de mettre la sonnerie. Ok, y a pas de souci, je vous la mets les gars. Alors, allez hop là, attention. Voilà, je sais que quand je vous habitue à quelque chose, bah quand il n'y a pas ce quelque chose, vous commencez à me dire dans les commentaires, Efri, t'as pas mis la sonnerie, Efri, t'as pas fait ci. C'est un petit peu, tu vois, comme si tu donnais genre un bonbon tous les jours à quelqu'un et que du jour au lendemain, tu lui donnes plus ce bonbon. Bah il va venir près de toi et il va te dire, mes frères, where is my bonbon? Et bah c'est pareil avec vous, quand je vous habitue à quelque chose, vous devez avoir votre quelque chose, sinon vous êtes pas bien. Bref, je pense que c'est le début d'intro la plus longue et la plus chiante de l'univers, mais aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Yandere Simulator, tout simplement parce que mes chers frères et mes chères sœurs, il y a une toute nouvelle update qui est sortie avec quand même quelques petites options assez intéressantes, dont une que je trouve vraiment super sympa. Vous allez voir que dans cette vidéo, on va pouvoir gagner de l'argent et surtout travailler. Parce que oui, vous savez, nous vivons dans un monde où rien n'est gratuit. Il faut payer, il faut travailler. Dans Yandere Simulator, maintenant, on va devoir bosser. Si tu veux t'acheter genre une canette, un paquet de chips, va devoir travailler, mon pote. Bref, on va découvrir tout ça. J'espère que vous êtes prêts. Sinon, place à l'intro Yandere. C'est maintenant, c'est tout de suite. C'est parti. Alors les amis, me voici non pas à l'école, mais dans la chambre, tout simplement. Parce que si vous voulez pouvoir travailler, et bah ça se fait de sa chambre. C'est clair que dans la vraie vie, ce serait vraiment très utile. Enfin moi, c'est un peu ça, hein, je travaille dans ma chambre. Mais sauf que dans la vraie vie, bah tout le monde n'a pas cette chance-là, tu vois. Mais Ayano, elle a cette chance-là de pouvoir aller travailler depuis sa chambre. Vous allez comprendre. Alors, si jamais, vous devez tout simplement aller près de la porte. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a part-time job. Sauf que ici, c'est grisé, tu ne peux pas appuyer, ça ne fait rien. Donc on va pas aller à l'école et on va pas aller dans le basement. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement en fait activer la nuit. Donc voilà la viens d'activer la nuit. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, j'ai 0$. Je suis pauvre, c'est la hesse. Mais on va régler ce petit souci là, tout simplement parce que nous allons pouvoir les bosser. On retourne près de la porte et là, comme par magie, nous pouvons maintenant accéder à cette option part-time job. T'appuies dessus et là, logiquement, voilà, on a accès à une sorte de petit mini-jeu, à savoir qu'Ayano travaille dans un café. Bah, c'est parti, les gars. On va mettre en difficulté. Allez, médium. Voilà, comme ça on est entre les deux. Et voilà comment ça se présente, c'est tout mignon. C'est ambiance un petit peu chibi, kawaii, tout ça. Alors on doit aller près des clients. Regarde, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais manger. Hop, bah je fais ça, j'appuie. Donc lui ce qu'il veut c'est une sorte, je sais pas ce que c'est. Tu viens ici près du cuistot et tu vas lui demander de lui préparer ce qu'il a demandé. Et je crois que c'était, si je ne dis pas de bêtises, c'était un sandwich, non, je pense. Donc hop, on va lui demander de préparer le sandwich. Attendez les amis, attendez. Je pense que là je fais de la merde. Attends, c'était quoi mon pote? Tu voulais quoi? Tu voulais quoi manger? Oh là là, les gars, je me fais déjà submerger. C'est pas croyable. Donc elle veut une sorte de truc bizarre. Elle veut ça. Voilà. Mais ensuite on fait quoi? Ah ouais, d'accord, je vois. On va récupérer nos trucs ici. Donc hop, récupère ça. On va apporter ça au mec. Regarde, hop, voilà, tu lui donnes ça. D'accord, il s'est barré. Je crois que je vais devoir recommencer, les gars. Parce que là, ça ne va pas du tout. Là, je viens vraiment de faire de la grosse merde. Par exemple, elle veut ça. Ok. Donc là, je vais près du cuistot. Je lui demande tout simplement de me faire. Qu'est-ce qu'elle voulait, elle? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait ça. Hop, on lui demande de faire ça. On attend un petit peu, ensuite on peut récupérer la bouffe ici, on va récupérer ça par exemple, et on va donner à cette fille là, voilà, voilà, qui est en train de manger, elle est en train de se régaler, il y a des clients qui sont partis. Alors le monsieur ici, il veut une pizza, et ben, il n'y a pas de souci, je crois qu'il y a une pizza ici que je peux récupérer, celle-là, voilà, et on va apporter une pizza au monsieur. Ensuite celui-là, il veut quoi? Il veut un truc dégueulasse, une sorte de salade chelou, et ben, il n'y a pas de souci, il y a une salade juste là, je vais apporter la salade, et tout ça, ça me permettra de gagner de l'argent. C'est la première fois que je le fais, hein, bien évidemment, vu que je découvre toujours les nouveautés avec vous. Je me renseigne sur les nouveautés qu'il y a dans les mises à jour, mais je ne les découvre pas de mon côté. J'attends de le faire en vidéo. Ensuite, ici, là, ça va, j'assure. J'ai vraiment galéré au début, mais là, je suis vraiment en train d'assurer grave. Donc, hop, je récupère ça. Je pense que c'est ce qu'il demande. Donc, je t'apporte ça. J'espère que tu es content. Non, c'était pas ça. Lui, par contre, il voulait ça. Ok, très bien. Alors, lui, ce qu'il voulait, c'était. Attends, je dois lui demander. Il voulait. C'était quoi? Il voulait quoi, lui? Je crois qu'il voulait ça. Voilà. Donc, s'il te plaît, fais-moi ce petit plat. La fille ici aux cheveux rouges, elle veut une salade. Donc, fais-moi une salade, Custo. Hop, et nous allons récupérer ça en espérant que c'était bien ça. Non, le temps est fini. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même gagné énormément d'argent. J'ai gagné 114$, ce qui n'est pas dégueulasse. Donc, on va vérifier si j'ai bien gagné ces 114$. Vous allez voir à quoi ils vont pouvoir nous servir. Alors, attention, mesdames et messieurs,
Voyons voir si on a bien gagné cet argent. Alors oui les amis, comme vous pouvez le voir en haut à droite, nous avons récupéré 114$, ce qui est plutôt cool, hein, on va pas se mytho. Franchement pour une première journée de boulot, c'est vraiment pas dégueulasse. Et ben la particularité, c'est que si on réactive la nuit, je me suis trompé, tu accèdes à ton PC et nous avons maintenant accès à une sorte de boutique, un shop online. C'est Nozama, on va sur Nozama. Alors pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment pas grand chose, il y a que des uniformes. Chaque uniforme est le même, donc c'est pas très intéressant, mais tu peux quand même te faire un achat juste pour tester l'option. Comme vous pouvez le voir, ça m'a débité un petit peu d'argent. Je passe de 114$ à 81$. Et plus tard, eh ben, je pense qu'il y aura certainement d'autres tenues, voire des accessoires, etc. Ah ben non, ça a pas débité mon argent. D'accord, je suis toujours 114$. On va dormir un petit coup et on va aller à l'école. Parce que vous allez voir que pour l'instant, la seule vraiment utilité de cet argent, ça se passe à l'école. Même si là, en soi, on a acheté un uniforme. Mais bon, comme on a toujours cet uniforme, c'est pas très intéressant. C'est sympa en vrai, parce que ça nous motivera à travailler pour s'acheter des trucs un petit peu stylés et tout. Peut-être que plus tard, on pourra pas mettre tous les accessoires, tu vois. Genre, peut-être qu'on devra les acheter pour pouvoir les porter. Alors, certes, je suis pas un fan d'accessoires, je suis pas un fan de coupe de cheveux, mais c'est intéressant. Le concept est plutôt cool. Ok, les amigos, eh bah, finalement, si ça m'a bien fait perdre de l'argent cet achat. Par contre, c'est bon, je connais le jeu, hein. Clairement, ça fait un petit moment quand même que je suis sur Yandere. Les tutoriels, c'est sympa, mais pour moi, non. Et c'est moi où les affiches ont changé ici. J'ai l'impression qu'il a changé les affiches. Elles sont tellement classe, mec, elles sont super jolies. Regardez-moi cette qualité. Oh là là là, incroyable. Là franchement, si je devais m'inscrire à un club, je serais même pas comment choisir, parce qu'elles sont toutes ultra stylées et elles donnent toutes envie, ces images. Bref, c'est super stylé. Ça tombe, ça a changé depuis un moment, je sais même pas. Et là, bah, t'as un petit dessin. Bah voilà, je vais rejoindre le gaming club. C'est un petit dessin de Mamidori, donc je vais clairement rejoindre le club de gaming. Bref, on n'est pas là pour rejoindre des clubs. Je suis là pour vous montrer à quoi sert l'argent que j'ai durement gagné. Ça sert tout simplement à acheter. Ah bah si, je l'ai dit dans l'intro. Suis-je bête? Ça sert tout simplement en fait à acheter soit des paquets de chips, soit des sodas. Donc par exemple, oh là là, il fait chaud, j'ai vraiment une petite soif. Et bah avant tu pouvais avoir les canettes gratuitement. Sauf que maintenant tu vas devoir payer, mon pote. Comme vous pouvez le voir, hop, mon argent se débite à chaque fois. Plus gratuit, il coûte 1$. C'est pas bien cher. J'espère qu'un jour on aura vraiment l'animation de pouvoir boire quelque chose. Peut-être même que de boire quelque chose nous donnera un bonus de je ne sais pas quoi, d'énergie, d'endurance, de force peut-être. C'est pareil ici. Hop, ça coûte 1$ pour les paquets de chips. Donc si tu veux offrir un paquet de chips à quelqu'un, et bah tu dois le payer maintenant. Par exemple, je sais pas, moi je vais prendre le premier élève. Je vois, bah par exemple ici, bah là, hop, tiens mon pote, fais-toi plaisir avec ces chips. C'est la maison qui offre. Voilà, il se met bien, mais ça m'a coûté quand même 1$. Donc voilà, rien n'est gratuit. Même si bon, pour l'instant, c'est vraiment genre des petits détails et c'est vraiment pas utile, hein. On va pas se mytho, mais plus tard ça nous servira, Yandere Dev l'a précisé, nous servira un petit peu à acheter genre des trucs à un Fochan par exemple, tu vois, à acheter des outils, enfin bref, tout s'achètera, on aura plus les choses gratuitement et je trouve ça bien, ça rend le jeu vraiment beaucoup plus réaliste et surtout beaucoup plus amusant. Alors les petits potes, ça c'était pour la nouveauté de l'argent, de travailler, etc. Maintenant, il y a une autre nouveauté plutôt intéressante, c'est que les douches ont vraiment été refaites. De l'extérieur, je crois, peut-être de l'intérieur aussi, mais je pense que c'est juste l'extérieur si je ne dis pas de bêtises. Regardez-moi ça, comment c'est super joli. Franchement, ça rend bien, hein, c'est beaucoup plus coloré, c'est beaucoup plus structuré. Donc on va rentrer à l'intérieur. Et au niveau de l'intérieur, eh ben, je ne pense pas qu'il y ait eu des changements. Je crois que c'était déjà comme ça avant. Oui, c'était déjà comme ça avant. Mais en tout cas, voilà, maintenant on a vraiment des belles douches, ça donne envie d'aller se doucher. Tout pas mal, Yandere Dev continue d'améliorer l'école, de la rendre plus jolie et de la rendre surtout plus réaliste. Par contre, c'est quoi ça, cette bug? D'accord, très bien. Je viens de faire un bail, je sais même pas à quoi ça servit. Bon, ben voilà, on peut mettre quelque chose sur l'évier, je ne le savais pas, enfin sous l'évier. Et du coup, voilà, c'était aussi une des nouveautés, les petites douches. Alors, un truc qui me fend le cœur, les amis, ça me fait vraiment très très mal au cœur. Non, je me suis trompé. On voit que je n'ai plus l'habitude, là, ça, mais c'est pas possible. Mais voilà, je voulais tout simplement me rendre dans le club de musique. Comme vous pouvez le constater, eh ben, nous n'avons plus le fameux cube volant. Alors, pourquoi est-ce qu'il était là? Certainement parce que c'était un bug, mais il n'est plus là, il a disparu. Ah non, c'est même pas dans le club de musique, les amis, en fait, je raconte de la merde. Voilà, je suis dans le Science Club et comme vous pouvez le voir, et ben nous n'avons plus le fameux cube, mais nous avons encore malgré tout la fameuse moto. Pour l'instant, il n'a pas donné vraiment d'informations par rapport à cette moto. Je pense que c'est juste du décor, mais si un jour on peut vraiment rouler et utiliser cette moto, ce serait juste incroyable. Bon les gars, il n'y a aucun problème là. Vous penseriez peut-être pas à vous décaler en fait. Là, vous êtes en train de vous bloquer mutuellement. Ah, c'est bon, elles ont compris, je crois. Il y a une sorte de téléportation vraiment bizarre là. Elles se sont débuguées d'un coup. Bien voilà, le cube a disparu et on arrive déjà. Je sais, les amis, ça vous rend triste quand une vidéo est bientôt terminée. En tout cas, quand c'est sur Yandere Simulator, moi aussi ça me fait mal au cœur parce que j'ai pas beaucoup d'occasion de pouvoir faire un peu de Yandere sur la chaîne. Dès qu'il y a une mise à jour, je suis vraiment extrêmement content. Mais là, si j'ai bien compris, normalement il y a une sorte de nouvelle task qui est générique. Donc ça veut dire que presque tous les élèves auront plus ou moins la même tâche. Donc on va voir ça. Par exemple, si je vais dans task ici, par exemple, je dois écrire un rapport des empereurs du premier empereur japonais, etc. etc. Donc voilà, il y a une tâche à réaliser. Donc j'accepte
la tâche. Cet élève a besoin de faire un rapport. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer en fait des informations. Donc normalement, si je dis pas de conneries, je vais devoir me rendre dans la bibliothèque pour aller récupérer des informations. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller dans la bibliothèque et on va aller récupérer les informations pour pouvoir l'aider. Je suis dans la bibliothèque et regardez ici, tu peux checker. Hop, tu regardes et tu récupères les informations. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir retourner près de la fille chez qui j'ai accepté la tâche. Par contre, je ne me rappelle même plus de qui c'était. Très bien, bien joué, Frite. Voilà, c'est elle, c'est bon. Ok, j'ai complété la tâche. Donc voilà, tu complètes la tâche. Et du coup, bah, tous les élèves, du moins presque tous, ont cette tâche-là. C'est une tâche générique. À quoi ça sert de faire ça? Tout simplement, je pense, de sympathiser avec les élèves, etc. Donc, bah écoutez, bah voilà. Je pense que c'est clairement la fin, les petits amis. Il n'y a pas d'autres nouveautés dans normalement. Écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que ça vous a fait plaisir, que je retourne un peu sur Yandere Simulator pour découvrir les nouveautés. Si c'est le cas, vous pouvez toujours me mettre dans les commentaires et ben, si la vidéo vous a plu ou non. Dites-moi un petit peu la nouveauté que vous préférez. Mettez également le petit pouce bleu, ça me ferait plaisir, ça régalerait. Abonnez-vous à la chaîne ici si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne Roblox ici, ou checkez carrément même deux de mes autres vidéos ici. C'était votre Friteuse, je vous prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.